Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière puisque nous la faisons à deux, Sophie, moi-même. Alors, nous sommes toutes les deux, bon, tout d'abord amies, et c'est très important, et démonstratrices Stampin' Up. Donc, nous avons la même passion pour le scrapbooking et également pour le journal artistique. Et donc, Sophie voulait vraiment apprendre à élaborer un journal artistique et je lui ai proposé mon aide, d'où cette vidéo aujourd'hui. Alors vous avez dû voir toutes les vidéos de Lily sur sa chaîne Les Ateliers de Lily. Moi j'ai aussi une chaîne qui s'appelle Bonheur Papier et vous allez pouvoir... Allez-y, la sienne est encore mieux, mais bon. Vous allez pouvoir découvrir comment on fait un journal artistique quand on est débutante, ce qui est mon cas, et quel est le matériel nécessaire. Et voilà, donc... En utilisant pour la majorité du matériel Stampin' Up. Allez, on vous laisse avec les images. A tout à l'heure. Alors, nous allons tout d'abord parler du matériel. Est-ce que tu peux m'expliquer quel papier tu prends? Alors, moi, je prends toujours un papier de récupération. Je trouve que c'est très important de partir sur un papier de récupération. Une chute de papier, soit cartonné, soit imprimé. D'accord. Bien une chute de papier, ça peut être aussi un papier aquarelle, une chute de papier aquarelle. D'accord. Aujourd'hui, on va partir sur... Enfin, moi, je partirai sur une chute de papier aquarelle. Eh bien, moi, je vais prendre un petit cahier. Est-ce que tu peux me dire si ce cahier convient? Écoute, ce cahier me semble très bien convenir. Les pages ne sont pas très, très épaisses, mais de toute façon, nous allons les protéger avec du gesso. Donc, ça ira parfaitement bien. D'accord. Et on va coller des choses dessus? Alors, sur ce papier-là, aujourd'hui, nous allons procéder par étapes. Donc, la première étape, ce sera effectivement de coller des morceaux de papier dessus. Donc, des morceaux de papier de livres un petit peu anciens. D'accord. Nous allons donc commencer par coller ce papier avec de la colle. Et après, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui utilisaient des pochoirs. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup, dans mon journal artistique, utiliser des pochoirs. Stampin' Up en fait de très, très jolis. Ceci... Hop. Je vais les balles. Ceux-ci sont particulièrement jolis, mais sont plus au catalogue. Donc, vous voyez. Donc, on utilise une spatule. D'accord. Et avec cette spatule, on va étaler la pâte de structure. Donc, Stampin' Up appelle ça de la pâte à embosser. Ici, nous avons blanc miroitant. Elle existe également en blanc. Et c'est difficile de mettre ça? Non, tu vas voir, c'est très, très facile. D'accord, super. Et alors, est-ce qu'il faut aussi des petites choses comme des tampons, des... Bien sûr. Sur notre journal artistique, nous allons avoir... une image qui sera un premier plan. Et aujourd'hui, moi, j'avais décidé d'utiliser la collection Sur le quai, qui est vraiment magnifique. D'accord. Et qui fait vacances. Hein. Eh ben, on va utiliser ça. Il y a un bateau. Oui, si ça te dit. Ouais, des mouettes. Un petit ponton. Très bien. Bien sûr, les dailles assorties parce qu'on est un petit peu paresseuse et qu'on préfère faire le journal artistique que découper. Voilà. On colorira ces images avec les blends. D'accord, ça c'est des feutres à alcool. Ce sont des feutres à alcool. Comme je passe toujours une couche de vernis acrylique sur mes réalisations une fois qu'elles sont terminées, pour que ça réveille un petit peu les motifs, qu'on voit mieux les différences de hauteur. Voilà, j'apprécie d'utiliser du vernis acrylique brillant. Donc, on va colorier nos images avec les blends et on utilisera comme encre l'Astazone, qui est une encre qui permet ce genre de travail. D'accord. Et les peintures acryliques? Les peintures acryliques viennent de chez Action. Justement, j'utilise des peintures acryliques justement pour ce motif-là, qui est qu'elles vont résister au vernis. Voilà. Et on met, bien sûr, la paire de ciseaux. Et alors, tu as pris aussi une palette? Et j'ai pris une palette pour, pour les encres acryliques. Et de l'eau, évidemment. Ça, c'est pour... Parce que la peinture acrylique, tu l'as diluée Je l'ai diluée avec de l'eau, tout D'accord. à fait. Okay. Voilà, voilà. Merci. Voilà, on a fait le tour. On peut s'y mettre. Au boulot.
a terminé notre joli projet. Sophie, alors tes premières impressions? Alors moi je me suis vraiment régalée, j'ai adoré faire ça, je vais en refaire plein. Je pense que dès qu'on va se séparer, je vais en refaire un. C'est vraiment très 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 agréable. Je conseille à tout le monde de faire la même chose, c'est vraiment agréable. Bah écoute, moi aussi je me suis régalée. Est-ce que j'ai été une bonne élève? Oui. Ça va. Bien sûr. Voilà, donc il faut un petit peu de matériel, mais sans plus. Je trouve que c'est pas un investissement non plus extraordinaire. Un peu de peinture, les tampons qu'on utilise d'habitude. Et puis il faut se laisser aller surtout, hein, c'est ça? C'est ça, il faut se laisser aller. Et oui. Puis une étape après l'autre, c'est l'étape en fait qui fait la continuité. Et on arrive toujours à un résultat souvent surprenant, mais on passe vraiment un très très bon moment. Oui, et puis toutes les deux, on est arrivé à deux résultats complètement différents, avec à peu près le même matériel. Ça aussi, c'était rigolo. Allez, merci Nelly, merci beaucoup.